Sly Guy. Bon, trouvez un clash d'un drague de saison là, c'est l'hiver qui arrive, on s'est caillé un peu ce week-end. Donc si vous avez une petite idée, Romano et Cédric, pour séduire, réchauffez un peu l'atmosphère. Hein. Ouais. Je compte sur vous. Moi je crois que ça y est, là, j'ai quasiment mon idée, j'en ai tellement dans la tête. C'est ouais, moi aussi, tiens. C'est dingue d'avoir entendu dire dans une tête chaude. Ouais, votez Romano. De quel rapport? Bah parce que j'encourage les foules. Oh là, courage des foules secs. Et ils sont là aussi, nos deux stars internationales de la drague. Ah, ouais. Je crois qu'on m'appelle. Oui, on vous appelle tous les deux là. Ouais, bah je suis là. Amour. Bonsoir. Ça va recommencer avec son baratin. Bonsoir mes louloutes. Je vous aime, tout ça là. Bonsoir mes loulous. Vous allez nous faire rêver en ce 11 novembre. Bah grave, attends, qu'est-ce que tu crois? Moi je vais vous donner du plaisir. Bah moi aussi. Ouais, et sinon on aura Kenza, je vais lire le mail de Kenza. Il y a deux filles dont on a parlé. On a parlé de Kenza et d'Alexandra. Ouais. Alexandra, elle s'est tapée la honte. On va savoir pourquoi d'ailleurs. Il y a plein de messages que vous avez laissés. Et on en reparle dans 5-10 minutes, le temps de faire le clash. Mais tout de suite, le clash, c'est parti. Clash de la drague de ce 11 novembre. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. Ouais. De l'autre, Cédric. Bah Cédric, c'est Berk. Moi, le seul, l'unique, le vrai, le beau gosse. C'est le clash de la drague. Et voilà, le clash de la drague, c'est parti. Cédric, d'un côté, il ouais, est là. Ouais, beau gosse. Et attention, je vais poser la question qui tue. Tenez-vous prêts, hein. Ce soir, c'est du lourd dans l'émission. Eminem tout à l'heure, et là, Cédric, je crois qu'on est à la hauteur pour la méthode du clash. Quelle est ta méthode? Je me suis gelé les fesses. T'inquiète pas, je demandais aux familles qui me réchauffent les fesses un petit mais peu. Mais oui. Ouais, voilà. C'est la méthode de Cédric. À toi, Romano, ta méthode, c'est quoi? Moi, c'est la méthode du vin chaud. La méthode, ah oui, la méthode du vin ce chaud. Ce soir, on va boire le verre de l'amitié, même le verre de l'amour. Tu t'es bourré la gueule, c'est ça? Ah non, je déteste le vin chaud. Tu t'es pas bourré la gueule, Romano? Ah, c'est super. Moi, tu sais qui nous en servait au bahut à Noël? J'adore, vous savez que j'adore. Au bahut, ouais. Du vin chaud? Ouais, à Noël. De l'alcool. Ouais. Ah ouais? Oui, du vin, Cédric, c'est de l'alcool. Oui. Ah, mais normalement, il ne sert pas d'alcool. Bah, nous, il nous en servait. Nous, c'était l'armée, tu vois. C'est des poches trop. À partir du lycée, seconde, première terminale, on avait. Bon, c'était pas. On se muflait pas au vin chaud. C'était genre un verre de vin chaud chacun, quoi. Mm-hmm. Et les chocolats. Chaud. Au chocolat chaud. Paris, je pense normal, vin chaud. Ah, l'argent. Bah oui, ouais. Ah, t'aimes bien, je trouve ça dégueulasse. Ah, je suis pas. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Je suis pas fan du vin chaud. Mais bon, rien que ça. Oh, bah, c'est clair, on va des pistes, ça passe. Ah, bah, voilà. Au pire, on le fait refroidir, hein, et puis, c'est du vin normal après. Ah, bah, non, parce qu'il y a des épices dedans. Ah, oui. Bon, alors, c'est parti pour le clash. Vous avez les deux méthodes, Romano, Cédric. Et bon, on va commencer par toi, Cédric, avec la ligne numéro 7 ce soir. Vas-y. Ligne numéro 7 chez Olivier. Donc tu vas draguer Olivier, on te souhaite bonne chance Cédric avec ta super méthode. T'as réfléchi tout le week-end pour la trouver? Non, t'inquiète. Ah bah heureusement, parce que ça m'est venu comme ça tout à l'heure. Allô Olivier? C'est qui? Bonsoir, comment vas-tu? C'est qui? C'est François au téléphone. Dis-moi. François qui? Bah François, on se connaît pas. Ta femme elle est là ou pas ce soir? Va te faire enculer. Allô France, allô. Ah bah voilà. Et bah voilà, c'était rapide. T'as même pas eu le temps de mettre en place ta méthode. Ah mais je vais pas le rappeler pour mettre la méthode en place. Ça a le mérite d'être clair. Le rappeler pour mettre sa méthode. Mais si tu veux, vas-y, rappelle-le. On va nous préparer ton coup de fil. Ouais, bah quoi, moi je prépare ma prestation surtout. Voilà, je pense que ça va aller très vite avec Cédric là. Tu veux le rappeler? Ouais, ouais, on le rappelle, c'est Olivier pour toi Cédric. Je vais essayer de placer ma méthode. Exactement, place ta méthode si t'as le temps. Hein. Ouais, t'inquiète. Lui il est assez rapide, tu vas te faire enculer, il t'a dit. Bah écoute, ça commence bien. Faire enculer, fils de pute. Eh Olivier, je vais me faire réchauffer les fesses. Va te faire enculer, fils de pute. Eh, ta femme, elle peut me réchauffer les fesses ou pas ce soir? Voilà, non, je crois qu'il t'a redit la même chose en rajoutant un petit surnom sympathique. Un peu bloqué. Parle pas de mon mur. Bah oui, mais c'est trop tard Cédric. Je vais aller me faire enculer déjà. Eh ben écoute, c'est déjà pas mal, mais c'est loupé pour la première phase de ce clash. Le coup de fil de Cédric. Allez. On passe à la deuxième phase. Romano, tu nous fais ta démonstration, c'est parti. Vin chaud. C'est Et tu prends la ligne numéro 8, Romano. Et c'est qui sur la 8? C'est Bernard. Bernard, j'espère qu'il aime le vin. T'as que ça à pochetron, c'est ça hein? Ah bah, ça serait l'idéal. Et sa femme aussi. J'espère qu'ils boivent tous dans la famille. Une famille d'alcooliques, quoi. Eh ben on espère. Allô Bernard? Oui. Ouais, comment ça va? Ça va. C'est Jean-Louis à l'appareil, un voisin, là. Dis donc, ce soir, j'ai préparé un jerrycan de vin chaud. T'aimes bien le vin chaud? Bernard? C'est qui, l'appareil? Jean-Louis, un voisin, là, du bout de la rue. J'ai préparé du vin chaud et ce soir, je voulais venir en boire un petit peu avec toi et ta femme. On va prendre le verre de l'amitié. Ah bah, pas ce soir, mon gars. Hein. Ah bah si, attends, moi j'avais prévu de voir ta femme ce soir. Hein. Ouais, bah c'est pas de problème, mon gars, mais... Eh bah ouais, bah donc je vais venir avec mon petit jerrycan, on s'envoie quelques verres, et puis après, bon, je me fous plus marre avec elle, quoi. Ouais, y a pas de souci, mon gars. Eh bah écoute, c'est parfait, tu voudras venir avec nous ou pas?
Non, non, non. Ah bon, bah, je me taperai ta femme devant toi, alors. Ouais, ouais, y a pas de souci, mon gars. Ah, bah, bon, toi, tu boiras un peu de vin, ça te faut oublier, quoi. Ouais, puis mange un peu de viande. Ah, voilà, tu mangeras un peu de viande, tu mangeras la quéquette si t'as envie. Ouais, t'as raison. Ça, ouais. Fera une saucisse, tu verras chaude et les juteuses à la fin. Ouais. Ah, ça va être bon. Bon, bah, écoute, dans 5 minutes, je suis là, mon bichon. Et ouais. Et je m'occupe de ta belle, dis-lui de se faire les fesses propres, hein. Ouais. D'enlever les croûtes et tout ça, puis j'arrive. Et toi, astique bien ta gueule, alors. Ouais, ouais, bah, t'inquiète, moi, elle est bien astiquée, là, et je crois que ce soir, je vais bien m'occuper d'elle. Ouais, t'as raison. Et puis peut-être même de toi, je sens que toi tu vas te laisser avoir. T'as raison, ma poule, t'as raison. On va faire le petit train tous les trois. Ouais, y'a pas de soucis. Je vais être ta poupoule ce soir. Ouais, y'a pas de soucis, mon chéri. Je t'attends. Vas-y, ramène ta gueule. À tout de suite, alors. Ouais. Bisous, ouais. Je t'aime. Ouais, moi aussi, à tout je t'aime. À tout de suite. Oh. Du sexe. Du sexe. Également de l'amour. Ah ouais, moi aussi, je t'aime. Bah, ma poule, il m'appelle. Cet appel s'est terminé par moi aussi, je t'aime. Ben voilà, c'est ça, c'est l'amour. Oh, mais Cédric. C'est le chaud. Tu fais un visage désagréable. Non, non, mais je demande un deuxième tour, moi. T'es vilain? Pourquoi tu fais un visage désagréable? Ouais, je fais pas un visage agréable parce que t'arrives, toi. Si, tu as, là, tu fais un visage non, désagréable. Je fais un visage c'est normal. Comme si t'étais contrarié. Non, je suis pas contrarié, je veux un deuxième tour. C'est comme quand t'es malade du ventre. Ouais, t'as l'air pas bien. T'es contrarié. Ah, si t'inquiète, hein, je veux un deuxième appel, moi. Il est mal, le man. Ouais. Je suis pas mal, c'est t'es le premier mal. Tour. Ah non, t'es mal, là. Bah, j'ai foiré. Regarde son visage, Marie, comme il est mal. Là. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, Marie? Ça, ah, mais elle m'a fait dégueuler, tellement il est moche. Ça m'a rendu malade, tiens. Bon, allez, vas-y, je peux avoir un deuxième appel ou pas? Alors, logiquement, le clash de la drague s'arrête là puisque les règles de base sont un appel chacun et c'est tout. Ouais. Mais je suis tellement bon que. C'est vrai que t'es bon. Je vais te laisser un deuxième coup de fil, Cédric, juste pour voir ta mise en place de ta méthode. Vas-y. Qui est, je le rappelle. Les fesses gelées. Tu vas nous le rappeler. La méthode des fesses gelées. Très bien. Attends, avec le froid. C'est la méthode. Mais oui. Les fesses gelées, je vais demander à la famille. Ouais, non, on a bien compris, pas besoin d'expliquer 10 fois, tu sais. Bon, ligne numéro 7 pour toi, Cédric. Oui, quand même. Tu as le cul gelé. Tu veux un deuxième coup de fil, Romano, ou tu veux le premier? On va. Je vais le prendre, je pense. D'accord. C'est gratuit, je prends. Qui c'est qu'on appelle? Daniel. Daniel. Allez, vas-y. Appelle Daniel, Cédric, et mets en place ta méthode. Allô? Allô? Ouais, Daniel? Ouais. Ouais, comment ça va? Ça va, c'est qui? Ouais, très bien. Bah, c'est François, on se connaît pas encore. Dis-moi, là, tu sais, aujourd'hui, j'ai pris froid aux fesses, là, avec la température dehors. Et je voulais savoir si je pouvais pas passer chez toi pour me faire réchauffer les fesses. Mais t'es abruti, mon pauvre gars. Bah, j'aurais bien aimé que ta femme s'occupe de mes fesses, quoi. Allô, voilà. En effet, ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas. T'es un abruti, mon pauvre gars. Bah oui. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il t'avait dit, le monsieur de gentil? Va te faire reculer. Bon, après, j'ai passé la fin qui n'était pas très sympa. Ah, c'est pour, qu'il avait dit pour la famille. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, exact. C'était un petit va te faire reculer. Ouais. Voilà. Pour la fin. Et là, bon, bah, Cédric, t'es un pauvre abruti, mon pauvre gars. Ah putain, vas-y. En même temps, non, mais c'est évident que ça ne va pas. Ferme ta gueule, t'as vu, toi, des fois, les méthodes que t'as. Bah écoute, a priori ce soir la mienne est quand même un peu plus efficace que la tienne. Bah, c'est la méthode du vin chaud. Bon, bah c'est Cédric, je veux boire du vin chaud. On t'a laissé deux. Attends, et d'ailleurs il m'en reste un, moi. Tu le prends? Ouais, allez, vas-y, pour comme ça. Hein. Allez, ligne numéro 7 pour toi. C'est gratuit, moi je prends. Hein. La 8 pour Romano. Ah pardon, oui, on a pris la 7 pour Cédric. La 8 pour Romano. Christian. C'est Christian, dernier coup de fil et après vous pourrez voter pour le clash, je crois. Ouais, bah ouais. Bah oui. Sauf si on a un autre tour, quoi. Sauf si on a un autre tour, a priori. Putain. Bon, on va voir ce que va faire Romano, là, déjà. Allez. Christian. Ah, c'est Christian, j'ai dit. Comment il s'appelle, celui-ci? Ah, pour une fois, je m'en souviens. C'est bien. C'est Christian. Ouais. C'est Christian, là, je m'en souviens, mais il ne va pas répondre. Christophe. Ouais. Allô, Christophe, comment ça va? C'est qui, là? C'est Jean-Louis à l'appareil. J'habite dans j'habite dans le quartier, là. Disons, ce soir, j'avais préparé du vin chaud. T'aimes bien le vin chaud? Ouais. Ouais. Et je voulais venir en boire quelques verres avec ta femme, éventuellement, s'il y avait moyen. Je peux passer attends. Là attends, je vais demander à ma femme, attends. Ouais, ouais, bah sinon je viens, je lui fais une petite surprise, ça lui fera plaisir. Oui, mais attends, je demande déjà à ma femme parce que tu sais comment elle est. Ouais, je la connais, ouais, elle est chiante celle-là. Normal. Ouais. Ouais, elle fait chier le monde. Le pauvre. Attends, ça arrive. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais, vas-y, moi bon, j'attends, j'ai 2 minutes. Moi bon. Bon, je m'en jette un petit en attendant. Normal. Attends, je te la passe. Ah, bah passe-moi la belle. La belle. Arrive. Arrive. Ça aussi, a priori. La belle, on a pas tapé dans le mille. Allô? Allô, comment ça va? Oui, ça va, moi. Bah, ça va, tranquille. Ah, bah, dis donc, je vois que tu m'as pas attendu pour boire du vin chaud. T'as déjà... Du quoi? Du vin chaud. Je suis un copain, là, de Christophe. Je voulais passer ce soir, qu'on boive un petit coup de vin chaud tous ensemble. J'ai fabriqué ça cet après-midi, là. Je sais pas, moi. Bon, alors, je vais passer. Puis je sens qu'on va bien finir la soirée, tous les trois. Comme ça, on se tiendra chaud dans le lit d'amour. Ça va pas, non? Bah, si, ça va très bien.
Bah, ça te dérange pas, moi, Christophe, il m'a dit que t'étais OK ce soir. Hein. Pour faire tu y viens, non? Bah, ouais, je me sens bien, moi, là. Je commence à être tout dur. Ça va pas, non? Eh bah, si, je ça va. Pas l'amour à trois, moi, vous me prenez pour quoi, là? Bah, écoute, je ferai l'amour qu'avec toi, tout seul, alors. On si vous, va, vous vous sentez bien, espèce de connard? Bah, ouais, je me sens bien. Bon, est-ce que tu. Oh, 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 bah, elle attends. Elle était moins ouverte que son mari. Ah, non, mais elle était connard. Pris pour qui? Connard! Connard! Putain, c'est énervé à la fin, c'est éveillé. Elle parle comme ton chien. Elle était pas contente, elle grognait. Elle a grogné, connard. Oh là, qu'elle était pas contente, la bonne dame. Ah non, elle est pas contente. Ah bah, jappe. La meuf jappe. Bah, on dirait mon chien. Bah oui, hein. Ah non, ça c'est pas elle. Mon chien, ça. C'est sûr, ça serait bizarre. Non, ça c'est un gros chien, ça. Ouais, bon bah voilà. En tout cas, la dernière, elle était trop sexy. Ah ouais, sexy baby. Trop sexy. Ça a mal parlé, Cédric, dans le clash. Hein. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Je crois, Cédric, c'est pas pour t'aider avec, ça a mal parlé de ta mère. Ta gueule, toi. Parle pas de ma mère. T'es énervé, ça. Et Romano, bon bah t'as serré Bernard, ma ouais, poule. Ouais, tranquille. Moi aussi, je t'aime. Enfin, c'était trop ouais, beau. Ouais, il m'attendait. Juste avant de t'astiquer la gueule. Bon. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis de boire un bon canon de vin chaud, quoi. Bon, bah c'est parti. Qui va gagner le clash? Dans bah, un instant, Romano, moi les je résultats. Dis... Ah, votez Cédric. Ouais, Cédric. Votez Romano, Romano. Romano, Cédric. Clash de la drague à retrouver. Oh, Sky. Sky. J'ai les résultats du clash de la drague à vous donner. Ah ouais? Et ouais. Ah, serré, ah. Très serré le clash de ce soir. Ah putain. Le clash de la drague qui opposait Romano et Cédric avec deux méthodes. Ta méthode, Cédric? Bah c'était, j'avais le cul gelé, les fesses gelées en fait. Voilà. Ouais. Donc, et la faire réchauffer les fesses. Et ta méthode, Romano? Bah moi c'était la méthode du vin chaud, elle a fonctionné, j'ai serré moi. Alors. Ah moi j'ai invité à me faire enculer. Voilà. Le gagnant du clash de la drague gagne avec seulement 52% des voix. Ah putain, c'est serré, hein, ouais. Ouais. Putain, ça, c'est les scores que je déteste. Pourquoi t'aimes pas? Bah, parce que souvent, c'est des scores où je me fais baiser. Parce que d'habitude, quand je gagne, je suis à beaucoup plus haut. Et il va te faire baiser, oui. Ouais. Alors, le gagnant du clash putain, de la ça drague. Serait bien que je gagne ce soir. Cédric ouais. A gagné un clash la semaine dernière. Romano en a gagné deux. Ouais. Qui gagne le premier clash de la semaine en ce 11 novembre? Eh bien, je vous l'annonce tout de suite. C'est. Cédric fait 48, Romano 52. Voilà. Victoire de Romano. Ah putain. Pour ce clash de la drague. Bravo Romano. C'est moi le patron du clash. Ah ta gueule. Eh, c'est moi le boss. Pour ce soir. Hein. Ouais, ouais, mais c'est moi le boss quand même. Bon, Cédric, tu t'es élu roi de l'embrouille tout à l'heure. Ouais, bah ouais. On est d'accord. Et Romano est en train de vomir en regardant Cédric. Mais il est content. Il a ah ouais, son je suis clash. Content. Merci à vous toutes et à vous tous. Ça fait plaisir. Vive la team Romano. Vous êtes les meilleurs. Prochain bon, clash là, là, en direct. Bon, 11 novembre. Mercredi. Mercredi, on le baise. Eminem a retrouvé sur Skyrock.